permis à ses compatriotes de découvrir la grandeur d'âme et de rendre l'homme hautement social de cette Amazon au patrimoine exceptionnel. Dans chacune de ses autres responsabilités, elle a usé de toutes ses capacités et sa foi en l'amour fraternel pour appeler tous les Guinéens à Dieu et à la construction de l'édifice national dans le dialogue et l'inclusion. Merci, Aya, pour les nombreux services rendus à la nation guinéenne et particulièrement aux travailleurs et travailleurs de Guinée. À Marabi, nous continuerons à trouver du réconfort dans le souvenir de ta vie exemplaire et dans le sens de ton combat incessant pour la justice sociale. Nous veillerons également à ce que la marmite que tu aimais porter au feu par devoir pour nourrir tes enfants continue à jouer son rôle dans chaque ménage. Je rappelais souvent à tes collègues, je suis, nous avons lutté pour le peuple, pas pour nous-mêmes. Le mouvement syndical, nous n'avons pas de couleur, pas d'ethnie. Nous nous voyons comme des Guinéens. Fin de citation. Ces conseils, marqués de pondération et de sagesse, accompagnent chaque jour les actions que nous émissions et posons sur les orientations du président de la République. Et nous inclinons devant ta mémoire, nous nous engageons ainsi à perpétuer dans la limite de nos forces ton combat pour la promotion des droits, l'égalité des chances et pour un avenir meilleur pour tous les Guinéens. Repose en paix. Aïda, que la terre de Guinée, que tu as servi avec abnégation, avec loyauté, que soit légère. Amen. La Fédération syndicale internationale, au camarade Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG. Condoléances à l'occasion du décès de Radiel Sera Diallo. Chers collègues, c'est avec tristesse que nous accueillons la nouvelle du décès de notre sœur. Fabien Pousser-Ayalou, ancien secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, et première femme africaine à avoir accédé à la direction d'un syndicat national. La disparition de Fabien Pousser-Ayalou constitue sans aucun doute une lutte verte pour le mouvement syndical guinéen, mais aussi pour celui de l'Afrique et du monde. On se souviendra de sa contribution importante dans la défense des intérêts des travailleuses et des travailleurs dans son pays et au-delà à travers les fonctions qu'elle a occupées au sein de la Confédération mondiale du travail, aujourd'hui Confédération syndicale internationale, de la CSI et du Conseil d'administration du Bureau international du travail. Elle a joué un rôle important dans la grève générale qui avait été réprimée par le régime du président Sassana Conté, fait à son âme. Elle a lutté pour les valeurs démocratiques et pour le bien-être en Guinée, en étant en première ligne dans tous les combats comme président du Conseil national de transition et ensuite comme président du Conseil économique et social. L'héritage laissé par notre sœur est immense et à sa famille, collègues et membres de la CNTG. La CSI exprime ses condoléances les plus attristées et compatit avec eux dans ces moments de douleur. Plus son âme reposait en paix. Camarades syndicalistes du mouvement syndical guinéen, nous avons appris avec consternation le rappel à Dieu de notre sœur et camarade Ayala Diallo-Sera Diallo, survenu le 28 juin 2023 à Conakry,
syndical international s'en est allé toujours. En effet, que ce soit en Guinée, sur le continent africain et au niveau international, ravi de son petit nom, mouvement syndical mondial, a été une figure de proue. Ancien secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du CNTD, elle a été également présidente du comité des femmes de l'ex-Codexta et a présidé le premier comité des femmes de la CSIA. Par ailleurs, notre sœur nous a représenté pendant plusieurs mandats au conseil d'administration du Bureau international du travail pays. Combattante infatigable et activiste engagée, c'est avec reconnaissance que nous avions accueilli sa nomination à la tête du Conseil national de transition en 2010 en Guinée et plus tard son appel à présider le Conseil économique et social de la Guinée. La CSI Afrique salue la mémoire d'une icône du syndicalisme international et voudrait, en cette circonstance douloureuse, exprimer ses sincères condoléances à vous-même ainsi qu'à la famille des ministres disparus, au mouvement syndical guinéen et à tout le peuple de Guinée. Le mouvement syndical international a perdu une combattante douée et passionnée des droits des femmes et des droits humains et syndicaux en général. Que son âme repose en paix. Avec votre permission, je dois préciser que je ne m'exprime pas en tant que facilitatrice, en tant que présidente d'honneur des femmes et de la politique, et en tant qu'amie, collègue, cette grande dame qui est une femme de paix. Aujourd'hui, tout le monde pleure quand il y aura bien fixé la jambe. Moi, y compris la grande radie. Il y a des jours qui font souffrir plus que d'autres avec des souvenirs qui marquent à jamais nos esprits et nos vies. Mais aujourd'hui, nos femmes du réseau des femmes ministres et parlementaires de Guinée et de la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement, nous avons pris l'option de ne pas pleurer, mais de célébrer Kadjarabia de Sierra Diallo en tant que membre actif de nos organisations, jusqu'au soir de sa vie. De célébrer toi qui as grandi, malgré les pesanteurs et les difficultés, les échelons professionnels et syndicaux, les uns après les autres sont finalement arrivés au sommet du chemin que tu as choisi. Le secrétaire, qui est devenu la première femme en Afrique à diriger un syndicat, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, présidente du Conseil national de la transition, présidente du Conseil économique et social, et les Guinéens ne le savent pas toujours, la seule femme au musée continental de la femme africaine à Dakar, le saut du vent. Je célébrerai toi qui, au-delà de ton impressionnante biographie, a marqué et marquera pour toujours plusieurs générations par ton courage. Je célébrerai toi qui as été une femme de cœur, une femme d'honneur, une femme d'État, qui a tout donné à la Guinée et au-delà de la Guinée. Je célébrerai parce que la plus grande vertu d'une république, c'est de célébrer ses valeureux fils et filles. Je célébrerai toi qui t'es battu pour les travailleurs, pour les femmes et surtout pour la paix envers et contre tout. Oui, femme de paix. Nous avons animé la première case de veille des femmes pour les élections à peser en Guinée. Plus de 200 situations conflictuelles désamorcées à l'occasion des élections législatives de 2020.
2013. Oui, femme de fait, nous avons animé la deuxième case des femmes pour les élections apaisées. 1603 situations conflictuelles désannoncées le jour du scrutin présidentiel 2015. Oui, femme de fait, italienne. Nous avons animé la troisième case de fait des femmes pour les élections apaisées. 832 situations conflictuelles désamorcées à l'occasion des communales et communautaires de l'Union. C'est pourquoi nous saluons l'hommage que la République le rend aujourd'hui à travers l'organisation de ce symposium et aux tous ici présents qui avaient contribué. Aussi, au nom du réseau des femmes ministres et parlementaires, nous venons faire le colonel Mamadi Dinga, Premier ministre, chef du gouvernement, pour solliciter vos générosités, vos patriotismes, vos cœurs, pour qu'un édifice public porte le nom de Haïdara Bertoussera Diango, édifice pouvant symboliser son combat et son engagement pour son pays. Cher aîné, tu peux t'en aller apaiser, Dieu t'a gratifié de trois grandes valeurs. D'abord, l'attachement à la famille. Une valeur à laquelle tu tenais comme au colonel de tes yeux. Ensuite, l'engagement pour t'éclairer dans tes choix afin de distinguer l'essentiel du superflu, le bien du mal. Et enfin, la sagesse de l'âge pour bonifier ton existence afin que tous tes péchés soient conjurés, abjurés, pardonnés, oubliés avant que tu ne sois rappelé à Dieu. Tout ce que tu as réalisé pour nous restera jamais gravé dans nos cœurs et dans le cœur de nombreux Guinéens. Nous gardons en mémoire et à jamais ta phrase célèbre quand la femme allume le feu et seule la manière pour nourrir ses enfants, pas pour brûler le pays. Pour que jamais nos bras ne tombent, pour continuer à nous mobiliser pour préserver la paix si chère à nous toutes. À nous tous dans notre pays et par ailleurs en Afrique et dans le monde. Nous en sommes chaque jour convaincus et ferons tout pour que notre Guinée soit protégée des conflits. Tu peux compter sur nous. Grand merci à toi, Hadia, pour l'extraordinaire modèle que tu as été pour nous, pour conduire à la Guinée et à la famille. Repose en paix et de la sœur de la terre de Guinée. Au compte des mouvements sociaux et syndicaux, habitez-vous les sans voix au prix de sa vie. C'est pourquoi les compagnons de lutte ne l'ont pas laissé au compte. Merci d'être notre voix. Ce qui a fait, Aïssat, Christian, de Ibrahim, de Daniel, de Abdoulaye et de Amadou. Nous sommes fiers de toi, Roi. Je parlerai toujours de toi à tes 25 petits-fils et 125 aumôniers au monde. Repose en paix, Nel, que la terre que tu as pu se servir la Guinée soit légère. Le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, toi qui es le détenteur de tout ce que vit le propriétaire des chiens, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, parce que tu as tout créé. Et tu as créé l'homme, ton image et à ta ressemblance. Merci pour cette grâce et merci Seigneur pour cette faveur. Nous voulons maintenant, Père éternel, te reconnaître comme notre Dieu et unique, et même aussi te confier ta fille. C'est ce que tu nous as donné et celle que tu veux prendre maintenant. Qu'elle soit accueillie aujourd'hui dans ta cité sainte. Qu'elle soit accueillie, Seigneur, par Seigneur ton cortège des anges, Père éternel. Que le Seigneur demeure désormais dans cette maison qui s'appelle Paradis.
ou vie, Seigneur des saints et saints. Sois la consolation, Seigneur, de ses enfants, de ses petits-enfants, mais aussi du peuple de Dieu. Elle a servi ce pays avec amour, affection, ténacité et abnégation. Aujourd'hui, Seigneur, qu'elle soit applaudie, Père éternel, dans ton royaume. Merci pour tout cela, Père éternel. Nous avons demandé ces mots en prière, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, lui dit rien avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire à les siècles. Qu'elle soit aujourd'hui, Seigneur, à ton règne, à ta puissance et à ton règne. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ان كانت محسنه فزد في احسانها وان كانت مسيئه فتجاوز عن سيئاتها واغفر لها ولجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالربانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية وعافية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.